Investir responsable, c'est une autre façon de porter un regard sur les entreprises. Alors bien sûr, on s'intéresse dans Investir responsable toujours à la croissance des bénéfices, mais pas seulement. On s'intéresse également à la protection de l'environnement, comment ces entreprises sont capables de protéger la planète tout en améliorant leur chiffre d'affaires, quel regard elles portent sur leurs collaborateurs, le développement des carrières des salariés, et puis est-ce qu'elles ont une bonne gouvernance. Donc c'est une exigence supplémentaire par rapport à une approche uniquement financière qui se concentrait sur la croissance des profits. Oui et non, car dans le domaine de l'ESG, l'environnement, le social et la gouvernance, eh bien les entreprises tech sont très bonnes dans le domaine de l'environnement, car elles ont beaucoup investi pour réduire leurs émissions de carbone. Il faut savoir que les entreprises tech consomment un peu plus de 5% de toute la production d'électricité au niveau mondial, mais elles ont mis en œuvre énormément d'investissements pour essayer d'avoir une énergie, on va dire, plutôt propre, et puis de commencer à décarboner. En revanche, non, clairement, sur le S, car il y a encore beaucoup de travail à réaliser sur la protection de la vie privée. Et on le sait, dans ce domaine-là, les acteurs américains sont en retard.